bienvenue sur Africa Sport TV, africasport.org et l'ensemble de nos plateformes de diffusion donc de cette émission Club des Observateurs qui vous parvient désormais du mardi au vendredi à partir de 11h sur Africa Sport. Ce matin, nous nous retrouvons donc pour encore parler des actualités sportives sur le plan national, africain, mais également international. Nous allons donc démarrer cette émission par une page noire avec le décès donc de Lamine Bangoura, entraîneur footballeur et entraîneur sierra-léonais, mais qui a longtemps servi le football guinéen en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur. Il a donc laissé son âme dans un accident de circulation hier, alors que son club était en partance pour une localité léonaise où son club devait donc jouer un match de ce côté. On reviendra donc sur beaucoup plus en détail sur ce décès tragique du défunt désormais feu Lamine Bangoura. Et puis on parlera du bilan du stage de l'équipe espoir de Guinée, vous savez, qui est dans la préparation de ce match de barrage pour la qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024. La Guinée donc a disputé dans cette catégorie, durant cette fenêtre FIFA, deux matchs amicaux, une victoire et une défaite justement. On en parlera. Et puis la grosse problématique dans cette émission ce matin, ou si vous voulez, le grand débat, c'est autour justement des difficultés que rencontre visiblement l'équipe de Bouba Dina Sampil pour l'organisation des matchs, puisque tenez-vous bien, pour l'équipe Espoir, la Côte d'Ivoire, la Jamaïque ont été annoncés comme adversaires. Malheureusement, ses adversaires n'ont pas répondu favorablement. Après, on a annoncé Bosco de Tesla, un club de 7e division en Espagne. Malheureusement, c'est le jour J même également. On change d'adversaire pour présenter un club de 5e division. Finalement, on n'en sait pas trop. Malheureusement, il n'y a pas eu de communication pour expliquer tout ceci. Et puis, on terminera par la Copa América avec justement la 48e édition qui se prépare. Le tirage au sort a été donc fait. On vous donnera, si tout va bien, le verdict du classe du tirage au sort dans cette émission. Voilà donc le menu. Sans transition, notre ami Ali Chérif Bayo, qui est convalescent, qui a rhumé à l'été du côté donc de Koya. Nous avons John Traoré avec nous ce matin. Bonjour John. Bonjour Kibola et bonjour à tout le monde. Nous sommes encore là pour parler du football dans son ensemble. Et bonjour à nos abonnés. Bonjour à toute la Sierra Leone. Voilà, bonjour à toute la Sierra Leone. On en parlera. La régie est dirigée par les habitués de cette émission, Alassane et Alucine Baldé, les frères Gibaud, donc, qui nous accompagnent de ce côté. Messieurs, depuis hier nuit, il y a eu des infos justement sur cette annonce du décès de Lamine Bangoura, que nous connaissons parfaitement pour avoir servi le football guinéen en tant que, d'abord, joueur. Il était défenseur central du Oréal de Conakry. Ensuite, il s'est reconverti entraîneur de football. Il est venu, je crois, par deux fois pour servir l'association sportive de Kaloum. Malheureusement, il a laissé son âme dans un accident de circulation alors qu'il partait pour jouer un match. Oui, également, c'est la triste nouvelle que nous avons tous appris hier, le décès de cet entraîneur qui a roulé sa brosse dans le championnat guinéen, ouais, qui a bourlingué sur beaucoup de pelouses du football guinéen. Mm. Et a rappelé, il a été coach de l'association sportive de Kaloum. Mm. Tout récemment, hein, on a vu, il a été limogé lors du tournoi IFOA parce que il y avait certaines personnes pensaient qu'il avait exposer les plans de la Guinée à l'équipe sierra-léonaise, sauf si on n'a pas eu le temps de vérifier. Et c'est ce qui a en tout cas enchaîné son départ de l'autre côté de la Sierra Leone. Et aujourd'hui, c'est une triste nouvelle pour le football guinéen, pour le football sierra-léonais également. Et l'accident s'est passé hier nuit. Le club partait oui, également, c'est des images qu'on ne devait pas mettre sur les réseaux sociaux, mais vous avez aujourd'hui les gens sont. Il y a le journalisme populaire. Également. Les journalistes sur les réseaux sociaux. Justement, les gens sont à la quête constante des abonnés,
Donc, à un moment donné, c'est pour cela il faut parfois il faut savoir faire la différence entre l'éthique et la déontologie. Aujourd'hui, toutes les vérités ne sont pas à dire. Non, Il y ça a certaines images. c'est le journalisme citoyen. On ne peut vraiment pas. Parce que moi, j'ai vérifié la plupart des pages qui ont diffusé, c'est des gens qui sont dans le sensationnel, c'est de la passion, tout, tout, tout. Donc, eux, ils ne savent pas la différence. Est-ce qu'il faut mettre ça, est-ce qu'il ne faut pas mettre? Pour eux, quand tu mets des images aussi horribles comme ça, comme celles qu'on a vues, c'est ce qui te rapporte beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Malheureusement, Sauf par personne ne malheur. voudrait être à leur place. C'est une déception, c'est une déception. Je pense bien que nous devons arrêter ça et nos frères qui le font, parce qu'il y a, rappelez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas passées par des rédactions ou passées par une école de journalisme, et c'est ce qui fait défaut. Et nous ne voulons pas des radios mille collines, nous ne voulons pas d'autres choses, il faut éviter. Et Kiboula a rappelé que le club partait pour Kenema, afin d'affronter le Canula Rangers FC. Malheureusement, le club a réussi à résister à un accident mortel et avec plusieurs blessés. Vous-même, vous l'avez dit, les images étaient insoutenables. Et aujourd'hui, le club, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de joueurs qui sont maintenant dans les soins intensifs, dans un hôpital de la place. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle qui pince le cœur. Un homme qu'on connaît par son style de jeu, on sait, dès qu'il a pris l'AS Calom, on a retrouvé ce football de Calom très chatoyant, très titillant, et un homme qui parlait moins, qui était toujours là à haranguer sa troupe. Et c'est une véritable déception pour lui, pour sa famille. Et pour son club également et la famille sportive guinéenne. C'est une triste, triste nouvelle, justement. On va aller sur le terrain chercher à avoir les témoignages de Mohamed Lamine Sylla Leandro, qui a côtoyé l'homme dans le championnat guinéen. Il me faisait même savoir pendant la préparation de cette émission qu'il a séjourné du côté de la Sierra Leone, qu'ils étaient ensemble. Donc nous souhaiterions l'avoir ce matin pour son témoignage sur justement Lamine Bangoua qui n'est plus de ce monde-là. C'est une perte énorme, énorme donc pour le football guinéen parce qu'il a véritablement aimé le football guinéen, d'abord footballeur, ensuite entraîneur, je crois, par deux fois pour l'association sportive du Calo. Même la dernière fois, John le rappelait tout à l'heure, la séparation n'a pas été douce quand même, parce que de toutes les façons, il était Sierra Leone quand la Sierra Leone jouait ici, il était quand même de son devoir. Alors, on va aller sur le terrain avec Mohamed Lamine Sylla Leandro. Bonjour, coach. Bonjour Amidou, bonjour à tous. Voilà, nous avons tous appris le décès de Mohamed Lamine Bangoua, coach sierra-léonais que vous avez connu dans le championnat guinéen. Quel témoignage vous avez à faire sur l'homme ce matin? Écoutez, le coach Lamine Bangoura, c'est un ami. Moi, je l'ai connu pour la première fois que je l'ai vu, c'était en sélection en 95. Avec le Sili National, à l'époque, il jouait avec l'AS Calom. Moi, j'étais venu en Guinée, à l'époque où je jouais en France. On s'est rencontré en sélection à l'époque. Je crois le Russe qui a été entraîneur et entraîneur collègue. Donc, c'est là où pour la première fois, j'ai vu le joueur Lamine Bangoura. Je crois que c'est mon ami, faute de chemin, qui l'a présenté au stade le 28 septembre. Après ça, c'est ma promotion d'entraîneur. On a passé la formation gagnée en Afrique avec l'Afrique en 96. À ce moment-là, il avait l'AS Calom, il coachait l'AS Calom. On était très proches. Le plus marrant, il y a un an, j'étais chez lui à Freetown. J'étais parti par le mois de Ramadan passé. On a fêté ensemble, moi et sa femme. On a fêté ensemble et ses amis. Il a invité certains de ses amis, les entraîneurs léonais,
qui sont venus nous rejoindre à domicile de Lamine Bangoura, où il a construit en banlieue de Freetown. Bah, après ça, on a gardé le contact. Aujourd'hui, c'est toi qui m'informe, Amidou, que Lamine est décédé. Franchement, je suis vraiment triste. C'est quelqu'un de joyeux, d'honnête que j'ai connu. Et puis, on a gardé ce lien parce qu'il a entraîné la SAC de Sigiri. Moi, j'ai aussi entraîné la SAC de Sigiri. Ouais. Mais moi, je suis passé avant lui. À chaque fois, il m'appelait pour lui donner des conseils par rapport à son adaptation à Sigiri, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. On a resté comme ça, amis. Vraiment, on perd quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses, même si le football guinéen lui a donné, mais lui aussi, il a beaucoup donné au football guinéen, en particulier, particulièrement l'AS Kaloum, ce club de Kaloum, et en général, tout le football guinéen. Moi, franchement, je suis vraiment triste ce matin. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Amidou, depuis que tu m'as informé il y a une demi-heure, ouais. Franchement, que son âme repose en paix. Amen. Merci beaucoup. Oui, John. Alors, coach Leandro, bonjour, c'est John Traoré. Oui. Oui, John. Alors, coach, vous avez côtoyé Lamine Bangoura sur le terrain et en dehors. Dites-nous, c'était quoi son style de jeu et son profil atypique en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce que vous retenez de son style de jeu? Ben écoutez, Lamine Bangoura, c'est un entraîneur vraiment typique guinéen, parce que vous savez, Lamine Bangoura, même s'il a commencé sa carrière de footballeur à Sierra Leone, mais c'est en Guinée quand même, il a passé tout son temps. Il a eu son premier diplôme chez nous, en Guinée. Moi, deux fois même, je le chambrais qu'il était guinéen. Lamine Bangoura, c'est un entraîneur qui aime jouer, qui aime la possession, qui est vraiment... qui aime vraiment jouer, qui aime garder la possession, mais aussi il aime aussi ce bloc défensif très, très rigoureux, son système 3-5-2, avec les trois défenseurs, et il aime beaucoup ça, tout le monde savait ça, avec ça, il a été champion avec Kaloum, 3-5-2, avec ces 3-5-2, il est devenu champion de Guinée avec l'AS Kaloum. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui a quand même marqué son temps en Guinée, particulièrement à l'AS Kaloum. Voilà, merci beaucoup, coach, pour cette disponibilité. Nos condoléances à vous également. Merci. Voilà, José Leandro Moumer Lamine Silla, qu'on avait donc au bout de téléphone pour son témoignage. Selon donc les informations qu'on a reçues ce matin, parce qu'on a eu à échanger avec quelqu'un qui le connaît très très bien, qui est même Léonais Atouga, qui nous a dit qu'il a échangé avec le jeune frère du défunt, qui lui a dit que l'enterrement est prévu le vendredi prochain, c'est-à-dire après-demain en Sierra Leone là-bas. Toutes nos prières accompagnent donc l'âme de Lamine Bangoura pour son repos éternel au paradis céleste. Amen. Voilà, sans transition, on va attaquer le Sili U23. Il y avait deux matchs au programme. Le Sili a joué quand même les deux matchs-là. Le premier match contre les États-Unis, ils ont perdu 3-0. Ce second match-là, ils l'ont véritablement remporté, mais face à un adversaire qu'on a choisi au dernier moment, parce que c'est dans la publication même de la composition de départ, finalement, qu'on nous dit qu'il y a eu changement d'adversaire finalement. C'est comme une équipe du quartier qui joue. C'est une véritable déception depuis la prise des fonctions pour ce Sili national avec la nouvelle administration fédérale. Et je comprends que la Guinée est en train de reculer d'un cran. Ouais. Tout le boulot qui a été fait par le CONOR. Ouais. Et on sait que on négociait des matchs avec des nations qui nous permettaient de jouer notre niveau, ouais, de vendre notre image à l'étranger. Et vouloir
négocier des matchs comme ça. D'abord avec le Sili A, on a critiqué sur ce plateau. Et aujourd'hui, c'est avec les U23. D'abord, même quand nous prenons le match contre les Américains, c'est sur quel terrain? Moi, je me dis que c'est sur un terrain de campagne. Et après, nous disputons des matchs face à des équipes de 5e division, de 7e division. Après, il n'y a pas de communication derrière. Si cela était prévisible, ils pouvaient négocier des matchs contre l'Oafia, ici contre l'Oria, contre des clubs ici qui allait nous éviter quand même des déplacements, des déplacements et des sorties d'argent. Donc c'était prévisible de négocier des matchs, même pas en Guinée mais en Côte d'Ivoire, avec des clubs qui sont là-bas, ou venir ici en Guinée faire jouer contre l'Oria, l'Oafia, ou bien une sélection nationale à ossature locale. Donc c'était pour moi une solution aujourd'hui de composer notre équipe locale. Mais malheureusement, nos dirigeants sont passés à côté. On part négocier des matchs avec des clubs qui sont difficiles à trouver sur des terrains où nos joueurs ne peuvent pas bien se distinguer. Pour moi, c'est des pratiques à arrêter. La nouvelle équipe fédérale, carton rouge à eux, c'est une véritable déception. Véritable déception. Au-delà de cette, à côté de cette déception-là, il y a ce manque de professionnalisme aussi dans la démarche. Parce que, comme je l'ai dit, c'est dans la foulée de la publication, de la composition de départ, qu'on nous dit changement d'adversaire pour notre équipe espoir qui affronte finalement IE Olo, club espagnol, ce mardi 26 mars 2024 en amical au stade Olo. Ça, c'est quand même véritablement des fédérations responsables ne se comportent pas de la sorte. On voit le Sénégal, comment est-ce que ça se passe? On voit la Côte d'Ivoire. On sait qu'il y a des dispositions qui doivent être prises à temps pour éviter des situations comme ça. Même le changement de la Côte d'Ivoire pour Jamaïque, il n'y a pas eu de communication. De Jamaïque pour Bosque de Tesla, ce club de 7e division, il n'y a pas eu de communication. Ça nous a juste été balancé comme ça aux yeux. Et pire, c'est ce dernier changement quand même pour ce club de 7e division. Il faut rappeler. C'est un manque de professionnalisme, mais qui ne dit pas son nom. C'est un manque de professionnalisme total. Je suis écœuré. Et pour moi, la nouvelle équipe fédérale, c'est une grande responsabilité qui les a été attribuée, parce que le Conor, pour ne pas faire de la promotion, non, de cette façon là on dira que le Conor a mieux fait après tout ce boulot que le Conor a abattu. Il a remis la Guinée sur les rails et ils ne vont pas venir mettre tout ça là dans l'eau. Donc il faut vraiment qu'ils se réveillent, qu'ils travaillent de façon professionnelle. S'il y a des changements avec des équipes, la fédération doit communiquer. La fédération a un président, a un vice-président, a un secrétaire général. À tous les postes, il y a quand même des responsabilités. Donc la fédération doit revoir sa copie. C'est pas professionnel. Notre équipe, c'est une équipe nationale des moins de 23 ans. Donc on ne peut pas jouer face à des adversaires tels que surtout qu'on est en train de division. Préparer un match important. Je vous l'avais dit l'autre fois sur ce plateau, on doit faire attention. Nous allons jouer contre des équipes asiatiques, une équipe asiatique, et on connaît leur profil, c'est des équipes qui sont très athlétiques et très joueuses. Et si la Guinée, si on arrive à faire des préparations bancales comme ça, on va complètement passer à côté. Alors, est-ce qu'on peut dire sur le plan sportif, parce que ce qu'on dit là, c'est vraiment administratif, est-ce qu'on peut dire sur le plan sportif? Malheureusement, moi, j'ai tout fait. Je voulais avoir Morla et Cissé ce matin dans cette émission, mais ça m'a été promis, mais malheureusement, on ne l'a pas eu. Est-ce qu'on peut penser qu'il a gagné quelque chose, lui? Il a connu deux résultats différents, victoire, d'abord défaite, après cette victoire. Et il a eu le temps d'essayer quand même toutes ses cartouches. Est-ce qu'on peut penser qu'il a gagné quelque chose, lui? Personnellement, moi, je ne peux rien dire. Parce que je juge cette formation sur la première sortie face aux États-Unis, où ça a été un naufrage collectif. Lors de la deuxième... Mais là, il faut tenir compte des conditions, les voyages. Ça a été un naufrage collectif. Voilà, le voyage collectif de l'administration.
jusqu'à l'équipe. Pour moi, c'est un naufrage collectif. Sur le deuxième match, j'ai pas eu la chance de regarder le match. Et vous connaissez la situation qui est au pays. Ouais. Donc, je ne peux pas juger si Morla ici, là, c'est lui qui En tenant compte des deux résultats, il a dû revoir son schéma, son schéma tactique, physique, parce que c'est un club. Ils ont joué face à un club qui est habitué. Un petit club, faut le dire comme ça. Mais on n'a pas le choix. Ils ont réussi à négocier un match face à un petit club. Et s'il réussit à marquer au moins 4 buts sans encaisser, et pour moi, c'est un résultat pour lui. Mais après, si est-ce que ces joueurs pourront valablement répondre à ce système face à ce petit club, s'ils arrivent à affronter un grand, une grande nation asiatique. Donc, la question reste posée. On va le voir comment ces poulains vont se comporter lors de ces éliminatoires pour les JO Paris 2024. On a vu quand même une belle réaction de l'attaque de cette équipe du Sili Espoir. C'est le cas du jeune Al-Gassim Ba. Il y a Ousmane Kondé qui réagit de la plus belle des manières. Le jeune Ousmane Kondé, l'ancien Milo. Également, il y a Elhadj Abdourahmane Ba qui a réussi à planter deux buts. Donc, il y a également... Il a quand même une belle génération de jeunes footballeurs aujourd'hui sur lesquels on peut reposer l'espoir pour le futur. Il y a une très belle génération. Il y a une génération qui est en train de booster les rangs, de concurrencer, d'envoyer des signaux forts aux grands qui sont en équipe A aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une chance pour la Guinée. Il y a d'autres joueurs aussi qui veulent arborer la tunique du Sili national. Et c'est de bon augure. C'est à Morla ICC, c'est à la fédération de bien entretenir ses talents. On sait que les catégories souvent en Guinée sont souvent sacrifiées. Après, on les entretient pas. C'est ce qui fait la force des autres nations telles que le Mali, telles que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est des jeunes qui ont évolué en équipe réserve aujourd'hui qui représentent la Côte d'Ivoire, qui représentent le Mali. Donc, c'est le bon moment pour nous d'entretenir ces différents talents. Vous savez, le talent peut te faire gagner un match ou deux matchs, mais le talent ne peut pas te faire gagner tous les matchs. Donc, il va falloir qu'il y ait de l'encadrement, que ce soit du côté de la fédération, du côté aussi de l'entourage des joueurs et le joueur en question. C'est à eux de s'entretenir pour voir quelque chose de meilleur à l'avenir. Voilà, quelque chose de meilleur à l'avenir. Le 11 de départ face à cette équipe de Hulo. Hier, le jeune Mori Keita, que moi je vois en train de bien grandir, justement, le joueur le gardien du Afia Preti à l'ASM de Sangaredi, Mohamed Sherif Camara, Sankoun Camara de Lausanne aussi. Sankoun qui, après avoir échoué chez les professionnels, c'est au niveau de l'équipe première qui a cette chance de pouvoir se relancer quand même avec les espoirs. Parce que même dans son club, il joue peu. Oui, vous savez que l'équipe nationale, ça galvanise. L'équipe nationale, ça te permet d'avoir du respect dans ton club. Donc, s'il est sélectionné en équipe nationale, ça va le faire remonter d'un cran et à son retour, on va essayer de le suivre de près. Vu qu'il évolue avec Ibrahim qui a quitté dans le même club, on va essayer de voir... qu'est-ce que ça va donner à la longue. Mais c'est un garçon qui doit se réveiller, c'est un garçon qui doit revenir sur terre et affûter ses armes pour pouvoir gagner sa place de titularisation, parce que c'est un jeune aujourd'hui. Les jeunes, le football appartient à la jeunesse. On voit les jeunes espagnols, on voit les jeunes brésiliens, on voit la France aujourd'hui qui donne de la chance aux jeunes. Donc c'est à lui de prouver. On vient pas en équipe nationale parce que tu veux voler à l'étranger. On vient en équipe nationale parce que tu es performant dans ton club. Donc pour moi, dès son retour, on verra s'il sera le second Cédusseau de la sélection guinéenne. Bien, on verra bien ça pour Sankoun Camara, qui a une fois été appelé en équipe nationale de Guinée et qui est venu, mais depuis là, qui malheureusement a du mal à gagner une nouvelle convocation avec l'équipe nationale senior de Guinée. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est 7 buts pour, on va dire, le Sili a marqué 4 buts, a encaissé 3 buts, donc goal average plus 1. Le goal average quand même est positif pour le Sili national de Guinée. On pouvait comprendre aussi cette défaite, face à l'équipe des États-Unis, parce qu'on l'a dit, le voyage a été tout à fait difficile, l'obtention des visas pour l'équipe et toute la délégation d'ailleurs, ça a été difficile, nous l'apprenons. Et puis à l'arrivée, l'équipe ne s'était pas très très bien reposée avant donc de jouer. On l'a dit, il y a l'acclimatation, il y a également le terrain
où ils ont joué. Donc tout ça, ça constituait quand même des aspects qui n'ont pas favorisé donc cette équipe pour le premier match contre les États-Unis d'Amérique. Et puis ce second match-là, gagné avec un score fleuve de 4-0 face à un club de 5e division, nous l'apprenons là aussi, parce que ce sont des clubs sur lesquels il est difficile d'avoir des informations. Également. Parce que c'est des clubs vraiment où les médias ne s'intéressent pas trop. C'est ça où nous sommes écœurés. Parce que il faut vraiment négocier des matchs amicaux, au moins avec un club de deuxième division. Ouais. On sait que en Espagne, la deuxième division est aussi beaucoup plus professionnelle que les autres catégories, que les autres que les autres divisions, j'allais dire. Jouer contre la cinquième division, pour moi, c'est vraiment tomber encore plus bas. Et Kibola, je commence à avoir des doutes sur cette nouvelle fédération, cette nouvelle administration fédérale. Parce que à l'allure où vont les choses, je commence à douter. Est-ce que avec ce manque de professionnalisme, alors on en parlera tout à l'heure. Il faut vraiment rectifier le tir. Il faut enfoncer le couteau dans la plaie pour que ça change, parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. Si le Connor a fait des progrès, a fait un pas devant, on ne veut pas faire trois pas en arrière. Ouais. Donc c'est le moment de le dénoncer, c'est le moment de le dire. Voilà, c'est le moment donc de le dire. On a dit deux matchs, deux résultats différents pour Morlaï Cissé, qui retrouve quand même un groupe qu'il connaît bien pour avoir évolué avec celui-ci lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations des moins de U23. Première participation, la Guinée a terminé quatrième justement de cette compétition. C'est ce qui lui donne aujourd'hui cette seconde chance de pouvoir espérer un ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024. La Guinée donc prépare son match de barrage dont l'adversaire sera défini après donc la Coupe de l'Asie. L'équipe qui sera qualifiée quatrième donc de ce côté va affronter le Sili National de Guinée U23. Voilà, donc le match, la compétition, la Coupe de l'Asie va se jouer au mois d'avril. Donc après cette compétition, on sera situé sur l'adversaire que le Sili Espoir va affronter pour en aller-retour, pour espérer donc avoir un ticket pour cette compétition des Jeux Olympiques dans la catégorie de football. Alors, messieurs, on n'a pas de transition. On va continuer toujours à parler de l'administration fédérale. Y a-t-il des difficultés où l'équipe de Bouba Sampil manque de carnet d'adresses important pour s'offrir des matchs internationaux? C'est la grosse question que nous nous posons tous. Est-ce qu'ils sont en train de voir la direction devant où ils sont en manque de carnet d'adresse? C'est le bon moment de prendre les choses à bras le corps, parce que avoir quand même la sélection guinéenne, c'est un gros morceau. Après les prestations qu'on a réussi à faire lors des précédentes compétitions, vous l'avez dit, lors de la CAN U23, on a terminé quatrième sur plusieurs nations. Et lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, on a terminé parmi les 8 meilleures nations. Cela veut dire que la Guinée est un gros morceau sur le continent. Il va falloir qu'on, si on ne peut pas négocier des matchs contre la Jamaïque, contre les autres nations de l'étranger, il faut quand même négocier des matchs amicaux importants avec les nations africaines, parce que personne ne va nous refuser en Afrique. On a quand même, on est accrédité d'une très bonne campagne africaine. Donc, il suffit seulement de savoir faire, de savoir ce que tu veux faire de ta sélection. L'équipe à Bouba Sampil, ils doivent revoir leur copie, ils doivent changer leur fusil d'épaule pour le progrès de ce Sili National, parce qu'on le rappelait souvent sur ce plateau, cette trêve internationale était une très bonne opportunité d'organiser des matchs pour permettre à nos jeunes joueurs de se retrouver. Les joueurs qui n'ont pas eu la chance de jouer les 90 minutes avec le Sili National lors de la CAN, de le composer, créer une alchimie, créer une bonne atmosphère entre ces joueurs-là pour savoir ce joueur peut faire jusqu'à ce moment. Et voilà ses limites, voilà ses qualités, voilà ce qui lui manque. Donc, c'était la meilleure façon, si on pouvait laisser ces joueurs cadres-là dans leur club se reposer et appeler ces jeunes-là
pour leur mettre à l'épreuve s'ils peuvent bel et bien reprendre la relève. Mais cela n'a pas été fait. Moi, je pense bien que la politique n'a pas été bonne. Et espérons que lors de la prochaine sortie, ils vont essayer de rectifier le tir. Voilà, on espère bien. En tout cas, pour le moment, ça ne démarre pas très bien pour l'équipe de Bouba Dina Sampil, le nouveau président de la Fédération guinéenne de football, qui visiblement manque de très bons carnets d'adresses pour s'offrir des matchs amicaux à l'international, parce qu'on a vu l'annonce de la Côte d'Ivoire dans toutes ses communications digital sur Facebook, Instagram, n'a mentionné nullement la Guinée dans une de ses communications. Ça veut dire que si elle a été saisie, elle n'a pas répondu favorablement. Au même moment, la Guinée quand même continuait à espérer sur un adversaire comme ça qui ne répondait pas. Je vous l'ai dit, on a parlé de la Jamaïque aussi. Malheureusement, ça a été lettre morte. Voilà, dans la même procédure, on nous annonce un club de 7e division comme adversaire de Sili Espoir. Ça n'a pas eu lieu. Finalement, le Sili Espoir joue contre un club de 5e division. Cela nous amène en tant qu'observateur quand même à s'interroger sur les capacités véritables de cette équipe, fédérale, sur justement ses capacités managériales à pouvoir. Parce qu'on a vu le comité de normalisation qui n'était pas une fédération normale, qui a été capable quand même d'offrir à la Guinée un match de standing international contre le Brésil. On ne peut pas comprendre qu'une fédération normale arrive nouvellement installée et qui soit incapable quand même de permettre d'avoir des matchs de référence. C'est une déception, et ce match amicaux qui a été négocié par le CONOS, c'était historique et légendaire. Jouer contre un pays qui a remporté 5 coupes du monde, c'était un exploit et c'était une première. La qualité de la rencontre était de taille. On a vu sur quelle pelouse on avait joué, de l'Espagnol de Barça. C'était un exploit. Moi, j'ai dit chapeau au comité de normalisation. On a vu que c'était un changement carrément du point de vue de la communication digitale sur Facebook, sur les différents réseaux synchronisés. Ce fut quand même une très belle révolution. Voilà, c'est que moi, je me dis que les personnes ressources ont été là. C'est des gens qui connaissaient mieux le football. C'est des gens qui connaissait l'administration également de la FEGIFOOT. Bouba Sampil devrait emboîter les mêmes pas, mais malheureusement, si ça ne va pas, il peut approcher certains membres du CONOR qui étaient les moteurs de cette refondation de l'administration fédérale. Et pour moi, c'est la Guinée qui gagne, et de pouvoir mettre ce côté, ce complexe de supériorité. On ne peut pas comprendre. Si la régie peut nous montrer la première photo qu'elle a diffusée tout à l'heure, vous avez quand même un Kamfori Lapé Bangoua qui est allé à Clairefontaine, qui voyage un peu partout à souhait aujourd'hui. Vous avez également Ibrahima Blasco Barry, qui fut même super secrétaire général de la Fédération guinéenne de football au temps de Salifou Camara Super V. Vous avez Bouba Dina Sampil, qui est minier, qui a longtemps eu des relations jusqu'ici. Tout cet ensemble-là, incapable de permettre à la Guinée, surtout c'est la première fois qu'il organise quand même un match, des matchs amicaux comme ça à l'international, qu'il soit incapable de trouver. Est-ce que vous pensez que c'est une collaboration sincère entre pour moi, entre c'est un désaveu. Parce que chacun aura quand même mis justement son carnet d'adresses, son grain de sel. Voilà, pour permettre à l'équipe de pouvoir réussir cette entrée-là. Oui, justement, nous connaissons Bouba Sampil sur le continent et ailleurs. C'est quelqu'un qui est dans le milieu africain depuis très longtemps, qui pouvait user de ses relations. Ibrahima Blasco Barry, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Pour moi, ils doivent mettre tout de côté et se consacrer uniquement sur le Sili National, sur notre équipe. Et chacun doit laisser son club de côté, chacun doit laisser son côté, ses activités de côté. Et
s'occuper uniquement sur l'administration fédérale, parce que quand la Guinée va réussir aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est Bouba Dina Sampil, on ne va pas dire que c'est tel, on dirait que la fédération a très bien travaillé, et en relation avec le ministère en charge, je pense bien que la Guinée pouvait espérer mieux de pourquoi pas de négocier des très bons matchs amicaux à l'international. Et si, qu'à cela ne tienne, si ce n'est pas à l'international, on peut organiser des matchs amicaux en Afrique. Si ce n'est pas le cas. Des bons matchs, surtout des matchs qui devraient permettre quand même à nos équipes de mieux s'aguerrir, Le Bénin, mine de rien, le Bénin a réussi à négocier un match avec la Côte d'Ivoire et avec le Sénégal. Donc, on pouvait organiser nous aussi des matchs amicaux face à d'autres nations qui ont joué la Coupe d'Afrique ou qui n'ont pas eu la chance de disputer la Coupe d'Afrique des Nations pour permettre à nos joueurs de se connaître mieux. Mais à cette allure, pour moi, c'est une véritable déception. Véritable déception, on n'en sait pas trop pour le moment. En tout cas, pour cette première expérience depuis l'arrivée de la nouvelle Fédération guinéenne de football, l'organisation des matchs internationaux dans cette fenêtre FIFA, ça n'aura pas été, on va dire, de grand honneur pour la Guinée. La Guinée qui joue contre des adversaires de 170e, 12e même classement FIFA, et la Guinée qui joue contre des clubs de 5e division. C'est véritablement des matchs qui ne sont pas de nature à honorer le pays à l'international. On va marquer cette courte pause. Derrière, on se retrouve pour parler justement de Copa América, dont la 48e édition est en vue au mois de juin prochain. Nous sommes de retour dans cette émission Club des observateurs sur Africa Sport TV et l'ensemble des plateformes qui diffusent cette émission. Vous pouvez également nous lire sur d'autres sites internet, le www.africasport.org, où nous continuons à vous informer 24 heures sur 24. Alors, messieurs, la 48e édition de la Copa América, justement, se prépare aussi. Le tirage au sort a été effectué la semaine dernière, c'est-à-dire que dans la nuit du jeudi à vendredi, le tirage au sort a été effectué à Miami. Donc, des grosses affiches sont justement au menu. Il y a le tenant du titre, l'Argentine, qui va donc affronter le Chili, le Pérou, mais également le vainqueur du barrage entre le Canada et Trinité et Tobago. Donc, ce match est prévu le 23. Le Brésil a hérité de la Colombie, du Paraguay et le vainqueur du barrage qui opposera le Costa Rica au Honduras. C'est la première fois que la Copa América va se jouer avec 16 nations. C'est une évolution de ce côté, puisque en plus des 10 nations de la CONMEBOL, il faudra aussi compter 6 pays de la zone CONCACAF, dont les États-Unis qui organiseront la Coupe du Monde, la compétition. Et le tirage au sort complet, groupe A, Argentine, Pérou, Chili,
Chili, Canada, ou Trinity et Tobago. Groupe B, Mexique, Équateur, Venezuela, Jamaïque. Groupe C, États-Unis, Uruguay, Panama, Bolivie. Groupe D, Brésil, Colombie, Paraguay, Costa Rica ou Honduras. Ça, c'est une belle compétition aussi. Ça s'annonce. Même si ça va se jouer dans la nuit, on sait un peu. Ça s'annonce électrique, ça s'annonce historique et légendaire parce que la Copa América, pour la première fois, il y a 16 équipes qui seront en jeu. Ouais. Donc, dans les années précédentes, c'était une compétition qui était exclusivement réservée aux pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une forte amélioration. On considère maintenant que eux aussi, sur leur Coupe d'Afrique des Nations, ça va leur permettre de se retrouver. En tout cas, ça a été, ça va être des matchs très serrés parce que quand nous prenons le tableau sera très bien affiché. Quand tu prends l'Argentine, le Pérou, l'équipe chilienne et le Canada. Le Canada, on sait que entre l'équipe chilienne et l'Argentine, ça a été toujours des matchs très serrés. Surtout en Amérique, il n'y a pas de matchs, il n'y a pas de petites nations. Tout le monde peut battre tout le monde. Il faut être combatif, il faut être technique, il faut être surtout hargneux et teignant dans le jeu. On connaît tous le jeu sud-américain, le style de jeu, donc ça va être des matchs qui sera âprement disputé de part et d'autre et surtout l'entrée en jeu, pourquoi pas, des États-Unis. Les États-Unis qui ne sont plus une petite nation, qui ont fait leur preuve à travers les précédentes Coupes du Monde. Donc l'États-Unis va essayer de montrer de quoi elle est capable également. La Colombie qui n'a pas réussi à se qualifier lors de la précédente Coupe du Monde, qui va essayer aussi de montrer de quoi elle est capable. On a les Costa Rica qui ont aussi qui sont considérés comme outsiders, mais c'est des nations qui font très mal quand ils sont dans une compétition. On a vu en Coupe du Monde et le Paraguay également, c'est des nations qui jouent. Tu peux pas les considérer sur papier, mais quand tu les affrontes, c'est les nations difficiles à battre également. Et pourquoi pas le Mexique qui évolue au nord, le Mexique qui est connu par son jeu fougueux avec des talents. Le Mexique qui doit s'aguerrir parce que c'est un des pays organisateurs de la Coupe du Monde 2026. Voilà, ça va leur permettre de s'affronter avec les grandes nations américaines parce que partout où il y a le Brésil, où il y a l'Amérique, où il y a également l'Argentine, le tenant du titre de la Coupe du Monde. On sait que l'Argentine ne va pas venir en parent pauvre, ils sont détenteurs d'ailleurs du titre de la précédente coupe organisée de la Copa América également. En tout cas, c'est des matchs qui vont se jouer malgré ces joueurs non africains. On aura un peu du mal. Il faut être vraiment des noctambules pour suivre ces matchs-là. Mais avec la passion du sport, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous pour suivre cette grande affiche et cette grande compétition organisée en Amérique du Sud. En tout cas, c'est une belle, très très belle fête du football qui s'annonce de ce côté. Il y a marche de ce tirage au sort à Miami. Il y a le sélectionneur du Mexique, Jaime Lozano, qui a lâché quelques mots. Il dit que lors de la Copa América, nous allons donc rencontrer des adversaires plus forts. C'est une belle opportunité avant le Mondial 2026. Ça va être une superbe compétition de haut niveau qui peut être vue comme un pré-mondial, a donc estimé le sélectionneur du Mexique, Jaime Lozano. Là, il a raison, ça va être un pré-mondial. Hein, c'est comme une sorte de compétition préparatoire. C'est des matchs de texte. C'est des matchs de texte pour l'équipe mexicaine. Quand tu es dans une poule où il y a l'Équateur, il y a le Venezuela, où il y a la Jamaïque, c'est des équipes qui sont très joueuses, c'est des équipes qui sont très costauds, qui ne badinent pas. Et on sait que en Amérique, tous les matchs se jouent à fond. Et les équipes, tu peux pas aller mettre des 6-0, des 7-0 comme les équipes de l'Europe de l'Est pour ne pas leur manquer de respect. Mais en Amérique du Sud, il faut mettre le pied pour gagner. Donc la Mexique qui a été éliminée par l'Argentine lors des huitièmes de finale, je pense bien qu'ils vont essayer de se reconstruire. C'est le moment de bâtir cette formation. Le coach l'a rappelé. Donc c'est à lui, la balle est désormais dans le camp de l'équipe mexicaine parce que la Coupe du Monde, les yeux seront rivés sur eux. Et c'est une Coupe du Monde
monde qui sera historique et légendaire sur le continent américain. La Copa va être aussi le rendez-vous des stars. Vous avez Lionel Messi qui a le titre, Angel Di Maria, entre autres, qui seront de la partie. Oui, également une équipe de l'Argentine qui est aussi vieillissante. Mm. Parce que quand tu prends les Otamendi, les Nicolas Tagliafico, quand tu prends, il y a beaucoup de joueurs qui sont vers la posée de leur carrière, surtout Lionel Messi, Angel Di Maria. Ça sera aussi l'opportunité pour le coach de l'Argentine de reconstruire cette formation parce qu'il y a de la valeur, il y a de la qualité. Certes, Lionel Messi va porter l'équipe, on sait, avec toujours son jeu, il est capable de porter cette équipe d'Argentine. Mais par après, c'est une équipe qui sera en reconstruction, à la posée, qui est aujourd'hui à la posée avec plusieurs vieux à son sein. Donc, ça sera le bon moment d'apporter du sang neuf au sein de cette formation de l'Argentine. Entre autres, est-ce qu'on peut, on peut déjà se faire une idée sur le dernier tournoi pour Lionel Messi, Angel Di Maria, entre autres, parce le dernier tournoi, je pense bien, c'est pas le dernier tournoi. Dernière Copa, oui, dernière Copa, dernière Copa également, parce que là j'ai déjà parce là. Messi Lionel Messi ne ferme pas la porte à une participation au prochain mondial. Ouais. Il va y aller, donc. Ça dépendra de son état physique. Et rappelez, il a maintenant 36 ans. Donc, quand tu avances en âge, le corps ne tient plus. Certes, la technique est toujours là, mais par après, si le corps ne répond pas, mais on connaît des joueurs qui jouent toujours, qui ont 40 ans. Et bientôt, Cristiano Ronaldo sera dans la quarantaine, mais il continue toujours à tenir. C'est des joueurs qui ont une bonne hygiène de vie. Ça dépendra de son état d'esprit pour aborder cette compétition, mais ça sera l'une de ses dernières compétitions. L'une de ses dernières compétitions pour Lionel Messi, qui est déjà du côté de l'Amérique avec Inter de Miami, c'est ça? Oui, l'Inter de Miami qui a été d'ailleurs récemment battu, mais c'est un club qui est en train de connaître une ascension fulgurante depuis l'arrivée de Lionel Messi qui a, je ne sais pas qu'est-ce qui les a donné, mais cette formation a complètement changé. Ils ont même réussi à remporter une coupe l'année dernière. Et cette saison, ils font partie du haut du tableau. Et ça va leur permettre aujourd'hui de se ressourcer. On sait que le championnat de la MLS, le championnat américain n'est pas aussi comme ça. Ce n'est pas un championnat relevé. C'est un championnat qui est réservé aux joueurs qui sont presque à la retraite, parce qu'on annonce déjà l'arrivée de Luka Modric au sein de cette formation. Partout où il y a Luis Suarez, où il y a Sergio Busquets, où il y a Dani Alves, j'allais dire Jordi Alba. Pour moi, c'est une équipe qui est à ossature, où il y a beaucoup de vieillards. Mais ça fait du bien, ça vend l'image du championnat de l'autre côté de la MLS. En termes de visibilité, c'est coûteux pour le championnat. La Copa América, la 48e édition, se jouera du 20 juin au 14 juillet 2024. Le tirage a été fait et chaque équipe participante est située sur ses adversaires. Et on l'a dit, la nouveauté dans cette édition, c'est que la compétition passe de 10 pour 16 participants, justement, c'est une révolution de ce côté, comme la Coupe du Monde aussi qui a rehaussé son nombre de participants. Finalement, il y a la CAN qui a donné ce bel exemple, justement. À 32 également. Voilà, ça continue parce qu'il faut permettre à d'autres nations aussi de pouvoir goûter à cette messe au plus haut niveau. Alors, ça, c'était le dernier sujet de ce numéro de ce matin. Là, la régie va afficher néanmoins le tirage au sort au niveau du basketball. On reviendra sur ce tirage demain de la Coupe du Monde de basketball des moins de U17 qui va se jouer du côté de la Turquie cette année. On reviendra beaucoup plus en détail sur ce tirage. La Guinée est dans le groupe B en compagnie de la Chine, des USA, de la France.
C'est la poule de la mort pour la Guinée. Partout, il y a la Chine, il y a les États-Unis. On connaît les États-Unis. Ce sont eux les En pères matière de fondateurs du basketball, basketball. C'est le sport roi chez eux. Donc, il y a la France aussi qui est très bonne dans les sports Demain, collectifs. Donc, la Guinée aura fort, mais c'est comme ça. Le sport, c'est Faut toujours comme s'estimer ça. heureux parce que quand la Guinée se retrouve entre la France, les États-Unis et la Chine, je pense qu'il faut s'estimer heureux. Oui, également. Et après, on a vu les États-Unis qui ont été éliminés tout récemment lors d'une compétition mondiale. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas les battre. Il va falloir qu'il y ait l'organisation en amont, en Guinée. On connaît quoi nos athlètes ont Malheureusement, pu il y a toujours traverser ces lors des bisbilles Jeux qui africains. continuent au sein de cette fédération. C'est un peu dommage quand même. C'est ce qui fait mal au cœur. Il y a du potentiel, il y a du talent, mais par après, si les acteurs en question, les dirigeants, les décideurs ne sont pas d'accord, Ça ne c'est des profite talents, pas au sport, c'est des talents qui seront sacrifiés. On ne veut pas que le basketball soit un cimetière de talents. Voilà. On reviendra beaucoup plus en détail sur cette compétition demain dans le prochain numéro de cette émission. On tentera de voir entre le président Sakoba ou le secrétaire général Oumar Sampil, qui a même représenté la Guinée à ce tirage au sort du côté de la Turquie. On verra si il sera disponible pour nous, soit en présentiel ou au téléphone, pour nous donner beaucoup plus de détails sur la préparation, comme John l'a dit tout à l'heure, parce que les compétitions de haut niveau, ça se gagne aussi sur le plan de préparation. Si l'adversaire est mieux préparé que toi, vous n'avez aucune chance de pouvoir venir à bout de lui. Donc, voilà l'essentiel de ce numéro ce matin avec l'équipe quelque peu escamotée par l'absence de Bayo. Mais John Traoré a tenu toujours à être là. Merci John, on se retrouve demain C'est matin. un plaisir. On se retrouve demain pour encore parler du football, du sport en général, parce que c'est ça, Africa Sport. Voilà, c'est ça Africa Sport, la régie tenue par les messieurs, comme d'habitude, Alassane et Alhoussine Baldé, les frères jumeaux. Moi, c'est Amidou Kibola. Si Dieu le voudra bien, demain, à partir de 11h, nous serons là encore pour parler d'autres derniers développements concernant le sport africain, guinéen et international. Portez-vous bien.